Aujourd'hui, direction Beverly Hills, où nous retrouvons Michael Vartan tout sourire. Et pour cause, l'acteur a invité son ex, Jennifer Garner, dans un des plus bons restaurants de Los Angeles. Et pour une telle occasion, la jeune femme s'était mise sur son 31. Un moment en toute intimité qui s'est très bien passé selon les photographes, car l'héroïne d'Alias était rayonnante et n'arrêtait pas de crier haut et fort. I love you. I'll see you. Une nouvelle bien réjouissante, Sonia Rolland, notre Miss 2000 et maman. L'héroïne de la série Léa Parker a en effet donné naissance à une petite fille dans la nuit du 15 janvier. La maman et l'enfant se portent très bien et le papa sulfureux Christophe Rocancourt est aux anges. Toutes nos félicitations. On continue avec une revenante, Cindy de la Nouvelle Star. Au même titre que ses prédécesseurs Laurie et Camini, la Suissesse cartonne en proposant gratuitement de télécharger ses chansons sur son site. Souhaitons-lui bonne chance. Pour finir, Miss Lohan s'est trouvé un nouveau boyfriend. L'heureux élu se nomme Joe Francis et jouit d'une réputation plus que sulfureuse, car il a fait fortune en produisant des films X. Alors proposera-t-il à Lindsay le rôle de sa vie ? Histoire à suivre. Le look catastrophe du jour est attribué à Ashley Olsen. On la croirait tout droit sortie d'un film d'horreur. Ah ! La phrase du jour. Paris Hilton a osé dire « Les garçons disent que je ne suis pas sexuelle. À la maison, je préfère regarder un film ou manger. » Ah, une vraie sainte mitouche, cette Paris. Kimberly Stewart a eu, comme vous pouvez le voir, un petit problème avec son pied droit. Dans ce cas-là, on oublie les soirées VIP et on reste à la maison, Kimberly.